Salut à toutes et à tous, c'est Silence d'Art 59 et nous voici aujourd'hui pour ma vidéo compte rendu de mes achats du mois de janvier 2014. Donc comme vous pouvez pas savoir, déjà on va commencer par là, par le plus gros parce que je peux pas le porter, j'ai qu'une main parce que j'ai un petit problème physique avec mon épaule. Donc à mon Noël, par mon beau-frère, j'ai eu une NES en boîte, donc c'est une NES belge bien sûr. Parce qu'il habite en Belgique, donc une NES belge, donc il n'y a pas la notice, mais il y a le polystyrène et la console dedans. Donc la console, elle était un peu cassée, donc je l'ai recollée comme j'ai pu, et elle fonctionne pas terrible, mais bon, j'en ai une moi-même, donc en même temps, on va dire que c'est plutôt pour la boîte, en plus je l'ai eu gratos. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai eu deux belles surprises, parce que dedans il y avait deux jeux, donc je vais vous les montrer. Donc le premier c'est Isolite Warrior. Donc j'ai essayé, c'est un petit jeu d'aventure, bon on va dire un petit jeu d'action plutôt. Bon ça c'est sympathique, hein. J'ai essayé, c'est sympathique. Donc ça, hop, c'est gratos, ça se prend. Et le deuxième, vous l'avez reconnu la cartouche de toute façon, cartouche dorée. Donc c'est The Legend of Zelda, donc c'est Zelda 1, donc la cartouche dorée. Donc bah je l'ai eu gratos, donc je vais pas me plaindre. Voilà, donc ça c'est les deux jeux gratos que j'ai eu. Donc voilà, donc ça c'était pour mon Noël que j'ai eu par mon en jeu vidéo bien sûr je parle. Hein. Parce que j'ai eu d'autres choses, mais c'est pas du jeu vidéo, je vais pas vous le montrer. Hein. Ma chaîne, c'est que sur le jeu vidéo et rien d'autre. Donc voilà, donc ça, c'était pour les jeux vidéo que j'ai eu à Noël. Bien sûr, j'ai eu Zelda sur 3DS, mais bon, ça, j'avais déjà fait voir dans ma précédente vidéo. Donc voilà, donc après, j'étais faire quelques tours à K chez Micromania. Et j'ai pas fait de solde parce que, vu que je me suis pété le bras, comme mon épaule, en période de solde, bah, je pourrais pas les faire. Donc du coup, je me suis un peu rattrapé. J'en avais fait juste avant des achats et après, j'ai fait un peu sur le net. Donc déjà je vais vous montrer le jeu que j'avais acheté à Micromania. Donc c'est un jeu Xbox One, donc c'est Rise, hein, Son of Rome. Donc je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. C'est un très très bon jeu, hein. Il n'y a rien à dire, c'est un très bon jeu ce jeu-là. C'est sûr que c'est un peu en ligne droite. Et franchement j'ai bien aimé le jeu. Donc un très bon jeu, si vous avez une Xbox One, je vous conseille, c'est un très bon jeu. Donc ça c'est le prix normal, c'est 70 boules. Ouais, 65 boules, ça dépend le magasin. Bon, j'ai été chercher un Micromania, j'avais un bon, donc je l'ai eu à 60. Mais bon, j'avais un bon, donc ça m'a servi. Hop, donc on peut le mettre là, le Rise. Hop. Donc encore un Micromania, mais ça c'était un peu plus tard. Donc j'ai pris. Donc c'était un jeu, deux jeux achetés, un jeu offert. Donc du coup, j'ai pris Metro Last Night. Donc ça c'était à 20€. Et le Splinter Cell Blacklist qui était à 26€. Donc je me suis dit, allez, je les prends, tant pis. De toute façon, il n'y a pas de code dans le Splinter Cell, donc en tout cas, ça vaut. Et du coup, en jeu gratos, bah, j'ai pris Resistance 3 que j'ai pas fait. J'ai essayé, c'est vraiment pas mal comme jeu. Donc ça, c'est les trois jeux-là. Donc ça fait, si vous comblez les trois, ça fait 15€ le jeu, même pas. Donc ça, c'est cool. Donc après, j'ai été faire un petit tour à Cash. Donc, c'est juste avant que j'ai mon accident, bien sûr. Hein. Voilà. Donc à Cash, j'ai trouvé pas mal de jeux. Donc je vais vous faire voir les jeux que j'ai trouvé à Cash, puis après je vous ferai voir le reste que j'ai acheté sur le net, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc déjà on va commencer par les jeux Super NES, que j'en ai trouvé 4. Bon c'est des jeux de merde, hein. C'est pas des jeux, c'est des jeux de sport. Hein. Donc c'est pas vraiment des très très bons jeux, mais bon. Donc le premier c'est, je vais l'avancer, pardon, NFL Quarterback Club. Après j'ai pris Eric Cantona, donc c'était déjà 3-4€ le jeu. Donc voilà, donc après il y avait Goal, donc Goal c'était à 2€, donc ça se prend un jeu à 2€, c'est, on va dire que c'est pour combler ma collection de jeux Super NES. Par contre je vois pas le titre, mais bon, 90, c'est un jeu de football, je l'ai payé 2€, donc voilà. Donc ça, hop, donc ça c'était pour les jeux Super Nintendo. Je vais un peu les bouger par contre parce que... Sinon je vais cacher mon angle de prise et ça va pas le faire. Pardon, on va les mettre là. Je vais bien les mettre. Hop. Donc voilà. Donc après, en jeu Mega Drive, j'ai trouvé le jeu Mega Drive. Donc le Mega Game 1. Donc j'espère que vous voyez bien la boîte. Donc ça c'était 7€. Donc dedans il y a 3 jeux. Il y a Super Hang-On, Colossus et World Cup Italy. Dedans il y a une notice. Sur les trois jeux, mais bon, j'ai la notice de Columns. De Columns. Ouais, Columns. Je sais pas si ça se dit comment, mais bon. Donc voilà, hop. Donc après, c'est des jeux de sport, c'est pareil. Hein. C'était juste pour gonfler ma collection Mega Drive. Donc après, c'était Grand Slam, donc un jeu de tennis. Donc ça, je l'ai payé. C'était 4€ le jeu, je crois.
Après, j'ai pris Ayrton Senna Super Monaco. Mais alors, ils sont complets, au moins ils ont la notice et tout, ils sont complets. Bon, il n'y a pas la languette au-dessus, mais ça, je m'en prends. Donc, Ayrton Senna Super Monaco GP2. Donc, c'est pareil. Et Agassi, André Agassi Tennis. Donc, là, par contre, il y a la languette et tout, il est bien complet. Je l'ai payé pareil, c'était 3 €. Là, vous voyez qu'il y avait des cheveux, mais c'est une perruque. Hein. Il l'a annoncé pendant dans son livre biographique qu'il portait une perruque quand il était jeune. Donc c'est pour ça que vous voyez André Agassi avec une grande perruque. Donc c'est pour ça, hein. Pour ceux qui savent pas l'histoire. Je vous le redis. Après, j'ai trouvé un jeu Xbox. Donc c'était un jeu, c'est 2 €. Donc Fahrenheit, donc un très bon jeu d'aventure. Fait par Quantic Dream. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va le prendre, on va voir. Donc j'avais bien aimé Heavy Rain, j'ai pas encore essayé l'autre jeu là, comment ça s'appelle là, qui est sorti là, Beyond Two Souls. Donc je me suis dit tiens allez on va le prendre. J'ai pas beaucoup de jeux Xbox donc je me suis dit tiens je vais me le prendre celui-là. Donc voilà. Et après j'ai trouvé des jeux PS2. Donc les jeux PS2 c'était 2 € le jeu, 2 ou 3 € le jeu. Après il y en a qu'un seul que j'ai payé cher. Donc pour compléter ma collection Naruto, il manquait celui-là, donc le Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4. Donc ça c'était 3 €. Les Simpsons, le jeu, donc je voyais sur le net qui était ultra cher. Je vois ultra cher le jeu sur le net, je sais pas pourquoi. Et là j'ai trouvé à cash à 5 €, donc je me suis dit allez je vais le prendre. En plus j'aime bien les Simpsons. C'est con parce qu'avant j'avais la version 3.6 et puis je l'ai revendu. Donc voilà, donc les Simpsons. Hop. Après un jeu de flingue, donc c'est Ninja Assault. Donc là pareil c'est un jeu, c'est un shooter sur rail a priori, donc un peu. Donc voilà. 2 € celui-là, 2 €. Donc ça c'est pas très cher. Après un RPG, moi qui est fan des RPG, de toute façon, vous allez voir après. Donc Orphan, l'héritier des sorciers. Donc ça c'est l'un des premiers RPG qui est sorti sur la PS2. Donc il est pas mal du tout ce jeu-là en plus. Je vous le conseille si vous l'avez pas. Et le troisième, l'avant-dernier jeu, c'est un jeu de samouraï. Donc je connaissais pas le développeur. Le développeur c'est Dimp et c'est édité par Samy. Dimp c'est ceux qui ont fait les Senseiya et tout le brin, là, tu vois, les jeux de merde. qui sont sortis il y a pas très longtemps. Seven Samouraï, donc les 7 samouraïs. 2000XX. Donc ça a l'air d'être un jeu d'aventure, je l'ai pas encore essayé, mais bon ils sont complets, ils ont tous la notice, hein, je l'ai pas dit, mais ils ont tous la notice. Donc ça je l'ai payé aussi 3 ou 4 €. Hein. Texte en anglais, voix en anglais. Texte en français, voix en anglais. Bon, de toute façon, je sais même pas si je vais jouer avec. Donc voilà, on met ça là. Hop. En même temps, je les place, comme ça je vous ferai une vue d'ensemble à la fin. Et le dernier, bon. Je suis passé à la caisse. Et je peux vous dire que le mec, il cherche les prix sur le net hein, pour les jeux. Parce que je pense que je dois peut-être trouver moins cher sur le net. Bon, je l'ai déjà en version boîte normale. Mais je voulais le récupérer en version collector, donc je l'ai trouvé. Hein. Donc c'est bien le Shadow of Colossus, donc en version collector. Donc là c'est la version française totale derrière. Hein. Donc là par contre le mec, comme c'était le patron qui était à la caisse, le gars il connaît les prix vu qu'il regarde un peu sur le net sans foirer. Du coup je l'ai acheté 25 €, quoi. Donc ça fait cher, très cher le jeu. Mais je me suis dit je vais pas passer à côté, je vais quand même le prendre. Hein. Au moins ça va compléter ma collection. Donc c'est un très très bon jeu. Bon, je l'ai en 3 fois, je l'ai une fois en boîte bleue, une fois comme ça et sur la PS3. Mais bon, je me suis dit, tiens, Shadow of Colossus, ça se laisse pas sur le carreau. Donc voilà, ça c'était pour mes achats de cash. Maintenant, on va passer un peu sur le net. Ah si, j'ai encore un truc sur le bon coin que j'ai acheté la fois dernière. Donc c'est un jeu Game Boy Advance. Bon, c'est mon seul jeu Game Boy Advance en boîte, je pense, que je vais avoir de ma vie. Mais bon, c'est encore un RPG. C'est con parce que j'aurais pu avoir le 2 en plus, c'est ça qui est vraiment con. Donc c'est Golden Sun, l'âge perdu, donc c'est Golden Sun 2. Le gars, il y avait aussi le 1, donc il vendait 30 ou 25 €, je sais même plus. Je sais plus. Soit ça doit être 25 € ou 30 €, je sais plus. Donc 30 € le jeu. Non, c'est pas 30 €. Ouais, c'est une vingtaine d'euros, je m'en rappelle plus. Ouais, ça doit être 20 € je crois. 20 € le jeu. Parce que au début, je voulais acheter les deux 50 €, donc ouais, ça devait être 20 € le jeu ou 25 € le jeu. Donc, non, c'est 25 €, ouais, 25 € le jeu. Désolé, je me rappelle même plus des prix. Donc, ça commence bien. Donc, 25 € le jeu. Bon, il est complet, il y a la notice, la cartouche, mais il n'y a pas la cale. Je peux pas trop l'ouvrir avec un bras, c'est pas facile. Donc, voilà, donc ça, c'était mes achats sur le net et le bon coin. Parce que j'avais trouvé sur le bon coin ce jeu-là et c'était vraiment pas mal. Donc, je me suis dit, tiens, autant mieux le prendre. Hein, donc, le suivant, on va partir sur un jeu PS2. Donc, un jeu PS2, donc c'est un RPG. De toute façon, vous allez voir qu'il y a pas mal de RPG dans les jeux qui vont arriver.
Et donc le prochain c'est Shadow Hearts From the New World, donc c'est Shadow Hearts 3, donc complet avec notice, hein. Je vais essayer de l'ouvrir, voilà. Donc complet, notice, voilà. Donc ça c'est un jeu que j'ai acheté sur le net, j'ai acheté 15€, sans les frais de port, c'est 2,90€, hein. Donc voilà. Hop. Donc là on va passer au jeu PS1. Donc le premier c'est 200€, ils sont complets les jeux PS1, hein. Donc complet. Donc pareil avec notice et tout, donc celui-là je l'ai acheté 3€ sans le frais de port, donc frais de port vous rajoutez pareil 2,90€. Donc ça fait presque 6€ le jeu, donc complet avec les deux CD, hein, état nickel. Donc un très bon jeu d'aventure. Donc voilà, donc 3€ pour 200€, 3€. Donc après je veux bien un jeu à cache, tiens, un jeu PS1 que j'avais trouvé à cache, c'est Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Donc là il manque la pochette de devant, ça c'est un peu con, mais bon pour 2€ le reste est tout nickel, la boîte elle est nickel, il manque juste la pochette de devant. Donc j'ai acheté 2€. Hop. Donc après, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais vous faire voir comme jeu, je regarde un peu, attendez. Ouais, bon, on va faire comme ça, comme j'ai fait. C'est pas mal. Donc, on va recommencer. Donc, un jeu que j'ai reçu hier. Donc, c'est un RPG sur PS1, bien sûr, on va continuer le jeu PS1. Donc, c'est Grandia 1. Donc, je pensais que je l'avais dans ma collection et j'ai fait un petit tour et je l'avais pas. Donc, je l'ai acheté, je l'ai reçu hier. Donc, je l'ai payé... je crois que ça va être 12€ le jeu. Par contre, il n'y a pas la notice, ça c'est con, la boîte elle est un peu morflée. Mais bon, c'est un bon RPG, je vous le conseille si vous l'avez pas. Bon, tant pis, il n'y a pas la notice, mais c'est pas grave. Celui-là avec la notice, sur net, je l'avais trouvé à plus de 20 boules, donc... je me suis dit, autant mieux prendre sans notice, tant pis. Hein. C'est celle qui est pas complet. Donc voilà. Après, j'ai trouvé encore... de toute façon, ce sera que des RPG maintenant, donc vous êtes tranquille. Vous savez ce que vous allez avoir dans les dents. Donc, Breath of Fire 3, donc complet, je l'ai payé... je me rappelle plus. Comment je l'ai payé, je sais pas si je le vois là. Si je le vois là, tiens, 10€. Donc je l'ai acheté 10€ sans les frais de port. Les frais de port c'était pareil, 2,90€ comme tous les jeux de toute façon. Donc voilà. Donc complet avec la notice. Hein. Je vais vous faire voir la notice elle est dedans. Parce qu'avec une main, j'aurais du mal. Vous voyez, livré. Il y a même encore la pub Game One pour vous dire. Donc voilà. Hop. Ça là. Et la suite, le Breath of Fire 4. Donc ça je l'ai payé un peu plus cher. Je l'ai payé pareil, 10€. Tiens, j'ai tous les deux à 10€. Tiens. 10€ et pareil avec le frais de port, pareil. Donc ça fait 13€ le jeu avec le frais de port. Donc voilà, dans Breath of Fire. Par contre celui-là il est pas traduit en français, je pense. Non, il est pas traduit en français, dire que le 3 était traduit en français. Donc voilà. Donc après on continue avec du RPG. Donc ça c'est un RPG américain, donc il y a un jeu qui est jamais sorti en France. Je sais même plus si c'est la notice dedans. C'est la notice. Pour c'est un CD qui s'est fait la malle, là. Salopard. Je vais remettre le CD, attendez. Voilà. Donc, c'est Chrono Cross. Donc, je l'ai acheté 19€. Donc, un bon RPG. Donc, c'est la suite de Chrono Trigger, hein, pour ceux qui savent pas. Donc, voilà, avec la notice qui est là, bien sûr. Donc, un très bon jeu, je vous le conseille. Si vous l'avez pas, pour une belle collection, je pense que ce jeu-là doit faire partie de la collection. C'est un très très bon jeu. Donc, je le mets là-bas. Donc après, dans la guise des jeux Squaresoft, bah, j'en ai encore deux à vous montrer. Donc le premier, c'est Final Fantasy Anthologique. Donc je me rappelle plus comment je l'ai payé, je vais regarder, attendez. Attendez, non, c'est par le bord. Ah, il est là. Donc celui-là, je l'ai payé 15€. Donc le jeu 15€ complet avec notice et tout. Hein. En état vraiment nickel. C'est incroyable de trouver des jeux aussi nickel, donc 15€ le jeu. Il m'en manquait deux sur cette console, donc il manquait celui-ci, en version française bien sûr. Hop. Et le Final Fantasy 6 que j'ai payé 13,50€, donc à peu près le même prix que l'autre. Hein. Bien sûr, vous rajoutez les frais de port, pareil, hein, 2,90€. Bon, à mon avis, la boîte elle a un peu pété, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il y a la démo du 10 avec et tout, hein, elle est bien complète. Ah ouais, c'est la boîte qui est pétée. Par contre celui-là c'est con parce que c'est la boîte le dessus de la boîte qui est pétée. Donc ça c'est un peu con. Donc livré et jeu, voilà. Donc complet. Il y a même encore. Il y a même la notice pour le Final Fantasy X, tiens, pour la démo. Donc voilà. Donc là complet. Par contre la boîte elle est un peu pétée. Ça c'est un peu con. Mais bon comme il y a l'étiquette devant, je peux pas changer le truc de devant quoi. C'est un peu con. Donc voilà, hop. Et après il y a encore 3 jeux Jap sur PS1. Donc le premier. Donc le premier c'est Legend of Mana. Donc Legend of Mana c'est un très très bon RPG. Mais bon, avec ma console craquée, je peux pas jouer avec. Donc je vais vous faire voir l'intérieur. Donc il y a le jeu. Donc il est là le jeu. Donc la notice. Il y a même la notice en version anglaise et coréenne. Et dedans j'ai un CD de démo qui me permet de jouer
5 jeux de l'univers Squaresoft, donc qui est Vagrant Story. Je vais regarder derrière, attendez. Donc voilà, il y a Vagrant Story, Chrono Cross. Je vais vous faire voir avec la notice, ce sera plus facile, comme ça vous verrez bien. Donc les démos qui est à l'intérieur, donc il y a From Mission 3. Je sais pas si vous voyez par contre. Avec une image pas facile. Donc il y a Dim Paradise, donc ça je connais pas, je sais qu'il est sorti ce jeu-là aussi. Voilà. Donc là il y a Chrono Cross, il y a Vagrant Story, il y a notre jeu. Bon, je vais pas tous vous les faire voir non plus, donc voilà. Donc ça je l'avais payé 15€, mais bon je peux pas jouer par contre sur la console. Même avec la console modifiée, sur la PS1 modifiée, vous pouvez pas jouer. Donc a priori, il faut jouer avec une PS2 modifiée. J'ai demandé à Gamer Collection si son jeu marchait. Il m'a dit exactement comme ça. Que ça marchait pas sur sa PS1, mais ça marchait bien sur sa PS2. Comme j'ai pas de PS2 gravée, bah, ou modifiée, bah, je peux pas jouer avec. Mais bon, on va dire que c'est une belle pièce pour ma collection. Donc voilà. Hop. Et par contre, les démos, elles vont, elles. Je peux jouer aux démos. C'est ça que je trouve un peu bizarre, mais bon. Je l'ai payé 15€ celui-là. Ouais, j'avais payé 15€. Donc là, je vais vous faire voir les deux dernières Pigeon Jarp. Donc c'est des Tales of. Hein. Donc je vais vous faire voir le premier. Donc c'est Tales of Phantasia. Donc ça, je l'ai payé 10€. Donc complet, à notice et tout bas. Hein. Il y a même encore la pub Jarp et tout. Donc un très bon RPG. Hein. De toute façon, les Tales of, c'est des très bons jeux. Hein. Mais c'est des jeux qui sont jamais sortis dans nos contrées. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai achetés en Jap. Et c'est moins cher en Jap, sûrement, qu'en américain. Et le deuxième, qui est encore un jeu Jap, donc c'est Tales of Destiny. Donc celui-là par contre j'ai acheté un peu plus cher, j'ai acheté 13,50€. Donc sans le frais de port bien sûr, pareil. Donc vous pouvez voir derrière, hein, je vais vous faire voir un peu les screenshots, je sais pas si vous les verrez bien. Il y a du dessin animé et tout, la cinématique de départ, les deux Tales of, les cinématiques elles sont vraiment énormes. Et vraiment super belles quoi. J'ai bloqué quand j'ai vu les deux cinématiques du départ, j'ai fait oh putain, ça c'est la cinématique. Donc il me reste 3 jeux à vous montrer. Donc là c'est le plus gros jeu hein, que j'ai trouvé. Et j'ai mis un peu le prix. Donc déjà c'est un jeu Xbox. Donc c'est Shenmue 2. Je l'ai payé 25€ avec le frais de port inclus. Là, par contre je vais le mettre dedans. Comme ça c'est plus facile à retenir. Je l'ai payé, voilà ce prix là c'est cher. Ça, vous allez dire ouais c'est cher. Mais pour trouver la version Dreamcast c'est 50€. J'avais vu, j'ai trouvé à 50€ la version Dreamcast. Vous vous rendez compte? Vous en rendez compte? Putain j'ai du mal à parler. Donc 50€ le 25, je préfère mettre 25€ au pire sur la version Xbox. Même si je préférerais l'avoir sur la Dreamcast, mais bon, voilà. Déjà, j'ai bien mis pour celui-là et je suis content de l'avoir. Au moins comme ça, ça fait que j'ai les deux épisodes, même si c'est pas sur le même support, c'est pas très grave. Donc après, j'ai un jeu Super NES, donc le jeu Super NES, bah voilà, hein, c'est Zelda Link to the Past. Je l'avais en version Jap, et là je me suis dit, allez, tant pis, j'ai attendu. Le jeu est tombé jamais en dessous de 50€ dans les prix en loose. Et là, le mec, il vendait 31€. Même, je l'ai payé avec le frais de port, je dois être 33€. 33€, ça vaut le coup. Surtout quand on voit le prix en boîte. Le prix en boîte, j'ai regardé, c'était plus de 170 boules. Quoi. Putain, 170 boules pour un jeu en boîte. Donc voilà. Bon, je l'ai en loose. Vous allez dire, c'est cher 30€, mais c'est pas mal. C'est un très très bon jeu en plus. Donc c'est peut-être le meilleur jeu de la... De la Super NES. Et le dernier, c'est un jeu Dreamcast. Donc là, celui-là, je voulais vraiment le récupérer à tout prix, hein, parce que c'était vraiment l'un des jeux Dreamcast, lequel que j'ai vraiment le plus accroché quand j'étais gamin. Et c'est Sky of Arcadia, donc là, il est complet, il y a la notice, à tout. Hein. Donc j'ai mis le prix, il était à 38€ sans le frais de port. Avec le frais de port, j'ai dû rajouter 2,90€. Donc ça fait un jeu à 40 boules, mais bon. Rien que pour celui-là, la version GameCube, c'est même pas la peine, c'est 100€. Donc la version Dreamcast, j'ai préféré. En plus, c'est la version que j'avais joué quand j'étais plus jeune, la version Dreamcast. Et celui-là, c'est un putain de RPG, magnifiquement bien. Sur l'univers des pirates, il y a des batailles navales et tout, si je me rappelle bien. Ça fait longtemps que j'ai pas joué avec. Mais ça, c'est un très très bon jeu. Il y a rien à dire, c'est même une valeur sûre. Vous voyez qu'il y a même la notice dedans, on voit à travers la boîte. Et je peux vous dire que la notice, elle est épaisse. Il y a deux CD, il y a bien les deux CD. Je vais l'ouvrir, on va voir. Donc, il y a le CD 1. Ah, par contre, avec une main, vas-y pour ouvrir les boîtes, putain. Et le CD2 et la grosse notice. Vous voyez, ça, c'est l'épaisseur de notice. Ça, c'est pas de la notice de PD comme maintenant, ou même maintenant, il n'y en a même plus, alors, pour vous dire. Donc voilà, très complet. Et celui-là, il était vraiment... et le mec, il l'avait saucissonné, mais vraiment, on pouvait pas le péter tellement qu'il était saucissonné. Et donc, je suis vraiment content d'avoir trouvé celui-là, par contre. Ça, c'est vraiment mon jeu fétiche et tout. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo compte rendu de mes achats du mois de janvier. Donc ouais, on est que mi-janvier et j'ai déjà plus rien acheter.
Parce que je vais pas trop craquer non plus. Hein. Non, moi j'ai encore un jeu Xbox de arriver, c'est Panzer Dragon hors table et je l'ai pas encore reçu. Donc ça fait une semaine que j'attends, j'aurai peut-être la semaine prochaine, donc on verra bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Hein. Je vais vous faire un petit plan d'ensemble, j'essaie de me lever, donc avec une main c'est pas facile. Hop, j'ai réussi, magnifique. Donc voilà, donc tout qu'est-ce que j'ai trouvé pendant ces jours-là. Donc c'était après le 25. Hein. Donc je m'aconseille, j'ai eu 25 et les autres jeux, bah, c'était juste après quoi. Donc j'ai une semaine tranquille pour aller à Cache pour aller chercher des jeux et à Micromania. Je crois que là, j'avais même non, je l'avais pas acheté avant. Je sais même plus si je vous l'avais fait voir. Donc ça se peut que je l'ai déjà fait voir, mais je sais plus. Donc voilà, donc j'ai trouvé pas mal de jeux. Bon, bien sûr, les jeux que j'ai aimés, bah, ça c'est ma cave, vous voyez, bon, ma préparation pour mettre mon appareil photo. Donc voilà, ça c'est ma belle trouvaille et tous les autres jeux. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci à toutes et à tous de me suivre sur ma chaîne. Salut et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!